Merci. On est une société qui accompagne ses clients dans l'automatisation des fonctions de support d'entreprise. Oui. On a analysé avec un certain nombre de grands groupes comme la SNCF, Bolloré et d'autres qu'il y avait pas mal d'automatisation à apporter à la fois pour les aider à réduire leurs coûts et améliorer la satisfaction des utilisateurs. Donc on a une plateforme d'intelligence artificielle qui offre des solutions pré-packagées qui va faire un certain nombre d'actions de manière automatique. Ça aide à la fois à la prise de décision automatique pour catégoriser tout un flux d'informations. Nos clients sont aussi aperçus que 50% des questions qui étaient adressées par leurs collaborateurs aux fonctions de support, elles étaient récurrentes et que notre assistant virtuel allait pouvoir y répondre grâce à sa base de connaissances. Et puis il y a 50% qui sont des problématiques d'automatisation, par exemple gérer des demandes d'habilitation, débloquer un mot de passe. Et là, Converso va activer des robots de RPA et ces robots vont aller régler la situation. Le premier, c'est le module de NLP, un module Converso qui ne fait pas appel à un service cloud. Le deuxième, c'est la dimension de machine learning. On a nos algorithmes qui sont entraînés spécifiquement sur les problématiques des service desk et sur tous les projets clients qu'on fait justement pour cette catégorisation d'emails. Donc on a notre propre corpus et l'adaptation de nos algorithmes de machine learning qui permettent de faire ça. Et enfin, on arrive avec une base de connaissances de 86 000 articles sur les problématiques les plus récurrentes dans le service desk, Office 365, Windows 10. Cette base de connaissances, elle est multilingue et on sait l'interroger nativement de manière conversationnelle.